Espagnol. Moi je sais que ma prof d'anglais, ma prof d'espagnol m'appelle toujours Esteban. Hola, ¿qué tal, amor familia? Yo soy Oliviero. Yo soy... Hola, ¿qué tal, amor familia? Yo soy Oliviero. Yo soy Esteban. Hoy vamos a hacer un video increíble. ¡Vaya, voy yo! ¡Jobi! ¡Joba! 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 Bah, hey, franchement, j'espère que ça va retomber encore là. Mais de ouf! T'aimes trop les intros en espagnol. Oh, la pro family, on est en forme aujourd'hui parce que pourquoi ce sera une vidéo exceptionnelle, comme vous le savez. En tout cas, les dernières vidéos, merci pour vos retours, ça nous fait plaisir. Non, et aussi, toi là. Tu nous regardes, mais t'es même pas abonné, je suis sûr. Qu'est-ce que tu fais encore là? Abonne-toi tout de suite. Abonne-toi. Souscribe. Souscribe à la chanela des paroles du bros. En tout cas, la pro family, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez la petite cloche et on peut commencer cette excellente vidéo en compagnie. Oh là là, la transition est incroyable. En compagnie de Katou. Comment ça va, Katou? Ah, moi d'abord, c'est bien. Bah oui, bien, toujours bien. Les chicas d'abord. Les chicas d'abord, si. Señorita. Après, el hombre, el señor, Romumovic. Comment ça va, Romain? Comment vas-tu? Mon honneur est de toucher. Oh, mais non. Pourquoi? Parce qu'on a présenté Katia avant toi. La Bro Family, vous l'avez vu sous le titre de la vidéo. On va faire l'épisode 3 de nos photos dossiers. C'est gênant. Et le truc, c'est que là, on s'est dit, voilà, à deux, c'est déjà très gênant. Mais en plus, d'avoir le rire de notre famille, ceux qui nous ont dit tout ça. Et aussi, avoir la réaction et anecdote de la famille. Ouais, exactement. Ok, parce que tu sais, quand on est petit, on n'est pas tout seul. Toi, il y a aussi la famille à côté. Voici le dossier. Numéro 1. Oh mon dieu! Il s'est passé quoi? Non! Eh mais en fin de compte, j'étais une règle. En vrai, là, je me pétais, je me suis fait une fracture au cou. Oh mon dieu! Eh, la quatrième en partant de la droite. On dirait un drogué, le mec! on dirait un drogué là! Eh, Narvalo, vas-y, passez, abonne-toi! Mais non, mais Olivier! Ça fait vraiment le dealer du coin, tu vois! Ah ouais! Frérot, il y a l'absence de muscles! On dirait que c'est pas un muscle, c'est un tendon, frère! En tout cas, on remercie. Aurélie, c'est son Insta est juste ici. C'est elle qui nous a fourni. Dès qu'on a fini l'épisode 2, elle a dit on veut un épisode 3. Chien. Voilà. Tiens, toi, montre au peuple. Franchement, tu mets un fond de Disney Channel derrière ça, c'est parfait. Exactement. Attends. Non, par contre, la partie, sincèrement, il est beau gosse. Non, mais la partie de gauche, ça fait tellement pub. Ça, non, mais Steven, t'avais quel âge? J'avais 10 ans. Impossible. Oh, t'as peut-être 6 ans sur cette photo. On a quelque chose en commun, Steven. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Oui, je sais. Mais c'est ça, là. Le crâne, là. Aïe. C'est là où loge le cerveau. Voilà, démonstration pour moi. On va remonter à moi. Voilà. Ici, là tu vois, là. La petite bosse, là. Et le coup, carrément, il va comme ça, le coup. Et après, la tête fait ça, tu vois. C'est magnifique. Moi, ça me fait penser. C'est la forme des tapes que vous avez reçues derrière la tête. Ah, mais clairement. Ah, oui. On dirait trop un américain, tu vois. De ouf. Yeah, mon nom est Jake. Purée, on commence fort déjà pour deux photos. Ah, ça va. Si tu as 10 ans là, je sais pas quel produit t'as pris après, mais franchement. Oh. il est efficace, le produit. Ah, c'est moi! Avec notre cousine Aurélie, voilà. À l'ancienne. Regarde mes lèvres là en mode. Mais non, mais surtout en fait, soin, tout ça. T'es fatigué ou c'est comment genre? Non, mais le flash était très fort. À l'époque, le flash était très fort. Ouais, tu sais, c'est les genres de flash où quand tu. T'arraches la tête. Voilà, et t'as des taches rouges, bleues, tout ça. Mais ta coupe de cheveux, frère. Ah ouais, ouais, coulis, tout ça. Ça, c'est on sent la solitude, tu vois. Ah, bah, c'est comme dans la vidéo l'homme le plus méchant, les gars. J'ai fait mon anniversaire tout seul, hein. C'était il y a moins de 7 ans. Il y a moins de 6 ans. Il y a moins de 7 ans. Oh mon dieu, mes cheveux. Oh mon dieu. Ça manque un peu de gel là. Hein. C'est un peu trop défrisé en fait. Et par contre, juste on note quand même que lui avait déjà les t-shirts d'Olivier dans la série. C'est ce que j'allais dire. Il a au moins plus de 10 ans. Mais facile, il a 10 ans. Facile. Ce t-shirt. Et j'ai vu qu'une personne le portait. Et c'était pas si longtemps que ça en plus. J'étais choqué. Je me suis dit, frérot. Hé, collecteur, regarde ça. Et les gars. Ouais. Je peux vous poser une question. Oui, vas-y, j'en prie, vas-y. Qui fait des photos dans le métro? Et qui ne fait pas? Personnellement, j'en ai jamais fait. Les gars!
Men in Black. Bon, c'est les mêmes habits que la dernière fois. C'est les mêmes habits. Bah, c'était un moment, je crois, en fait. Ouais, c'est le même, oui, même moment. Oui, on y allait, justement. On y allait. Bah, oui, parce que. Ouais, ouais. Ok. Ah, je peux pas. Faut que tu me dises ce que t'as consommé, gars. Oh là là. Je pense que c'est quand même une fierté. Parce que là, on peut vraiment dire que t'as vraiment glow up, frère. Tu vois, en plus, récemment, je me demandais pourquoi j'avais pas eu de copine avant mes 21 ans. Voici la réponse. La façade n'était pas très intéressante à voir. J'avais pas mal de travaux à faire. Oh là là. Hey, je préviens, la bro family, je n'ai jamais fumé de ma vie. Cet homme qui était là, il était normal. Je n'ai pas entendu une seule fois Katou. Rassure-moi, Katou, ça passe. Elle est choquée, elle a perdu la voix. J'étais en train de parler, j'étais en train de rigoler. Ah non, non, t'as fait ça. Ah non. Ça me gagne. Ah non, Katou. Olivier, c'était dur quand même. Et j'ai pas été gâté par la nature. La nature a dit, ah non, on peut pas faire ça. Arrête. La bonne famille, juste un truc, parce qu'il y a certaines personnes qui ont vu. Oui, j'ai pris du poids, ça beaucoup, se voit. J'ai pris beaucoup de poids, bah oui. Là, sincèrement, de là, j'ai pris au moins plus de 20 kilos. Mais non, même depuis ouais. Un an, depuis le premier confinement, j'ai pris au moins... 15, t'as pris 15 déjà. 16 kilos. Attends, non, 18 kilos j'ai pris. Ouais, depuis déjà. Mars, ouais. En confinement. 18 kilos. Sincèrement, je pense que je pesais dans les 65 par là. Mais je suis contente que la nature t'ait aidé par la suite, parce que... Aujourd'hui, nous allons recevoir le jeune Olivier, qui va nous parler de son anorexie. C'est exactement ça en plus. C'est exactement ça. Non mais, et les gars, sincèrement, je pense que j'étais anorexique, je pense. On peut dire qu'il a pris une revanche sur le lui du passé. Oh mon dieu. Oh, t'avais 20 ans. Oh non, c'était... T'avais 20 ans. C'était il y a 8 ans. C'était il y a 8 ans. C'était il y a 8 ans. Ah, chaud, je pensais que c'était... C'était il y a très très longtemps, en fait. Non. T'avais 20 ans. Non. Non. Depuis mes 15 ans, je suis en champagne. Ah non, moi c'était toujours champomy, c'est la base. Et ça sent pas. Et les gars, blague à part, un truc, c'était la dernière fois je crois que j'ai bu du coca. Ouais, vraiment. Dernière fois. Ouais, ouais, dernière fois parce que c'est fini le coca. Ouais. Et je prends cher dans cette vidéo, c'est ouf hein. Mais même moi, attends, t'as eu ma tête frère. Mes contours, ils étaient comme ça, ça fait en ligne droite, après ça fait en diagonale. Mais attends, mais Steve, regarde, t'as ça et moi je suis. Oh. Hey, mais là, ça fait vraiment genre le grand frère, tu vois, qui s'occupe vraiment de son petit frère. Ouais, hein, et puis ouais. Là, j'ai commencé les vidéos là. Ouais, on a commencé les vidéos. Parce que on a le tout premier. Le tout premier, voilà, justement, le tout premier sweet Pebro en blanc, justement. Attends. Mais Katou, t'étais là? Katou, t'étais là? T'as pas la chaussure? La chaussure, c'est pas la chaîne? Katou, t'étais là? C'est pas la chaîne? Oui, Katou, t'es là! Katou! J'ai reconnu direct. Moi, tu t'en rends compte, on te reconnaît sur un bout de chaussure. Non, mais deux. Romial, Katou portait cette chaussure tout le temps. Mais je l'ai kiffé, moi, ces choses. Ah ouais, t'as vu, mon délire, c'était quoi mon délire? Ben, c'est toi qui étais là aussi, hein, d'accord? Et voilà, c'était notre délire. Voilà, c'est calmé, hein. Aïe. Hey, Steven, t'as toujours les mêmes contours, hein. Le contour pas, hein. Avec la ligne, et puis ça descend. Non, j'avoue, c'est un peu obélique. Oh! Mais non! C'est... Mais non! Mais non, c'est toi Olivier? Non, c'est pas moi. C'est toi Olivier! C'est toi Olivier! C'est toi Olivier! C'est un mec que je t'aime, Olivier. Mais je le reconnais à quoi? Je le reconnais au front! Olivier, on note quand même que tu avais des jolies chaussures. Ouais, c'est joli, moi aussi! Aïe. J'ai peur que personne ne regarde. Ah mon dieu, j'ai pris cher ça, cette vidéo. Mais c'est spécial pour toi là. Cette vidéo c'est pour toi. Oh Steven. Ah j'étais en train de... Toi t'es mimi. Je crois que je suis... Eh t'as un gros pif hein, quand même. Et tu respires bien hein. Les narines sont larges. Ah ouais. Et par contre tes contours, Steve, c'était... Là y'a pas de contours. C'est là où les chevaux voulaient aller. Ouais du coup. Je le sale aux limites. En freelance. La bro family. C'est la fin de la vidéo. Franchement, moi je suis content, j'ai rien eu. Et j'ai pris cher. Je pensais pas. Là, de dévoiler ça à vous, la famille, ça vous montre à quel point on est proche de vous. C'est la famille. D'accord, donc respectez les photos, d'accord. Faites pas des montages. Je vous regarde, hein. En tout cas, merci à Katou et Romuald d'avoir participé à la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas. Avec plaisir. De rien. N'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne. Donc, The Power Dibro Show, le compte Instagram Les Power Dibro et la chaîne Twitch, justement, où on joue avec Katou et Romuald. Justement. Eh oui. Voilà. C'est sur Les Power Dibro et Pebro Steve, les gars. On rigole bien. Comme là. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, les gars. Ciao. Ciao.